Alzia, et aujourd'hui, je vais parler de Roland Garros, un célèbre championnat de tennis qui se tient chaque année à Paris, en France. Il a été nommé d'après un aviateur français appelé Roland Garros. Le championnat a débuté en 1891, mais n'a été ouvert qu'aux membres du club français. Mais en 1925, les règles ont changé. Et les joueurs internationaux ont pu jouer dans le championnat. C'est l'un des quatre grands slams qui se déroulent chaque année. Roland Garros est le seul grand slam joué sur le terrain d'argile. Les cours d'argile sont en mesure de ralentir les balles et de les faire redoubler de force. C'est pourquoi certains athlètes de tennis ne font pas de bons comme d'autres grands slams, comme Wimbledon, parce qu'ils sont habitués à des balles plus rapide et de rebond plus bas. Cependant, un joueur comme Rafael Nadal est formidable dans les championnats puisque c'est son type de cours favori. Il l'a gagné 9 fois, 5 d'entre eux sont des victoires consécutives. Il y avait également un Égyptien dont les qualités étaient capables de gagner les championnats 2 fois. Il s'appelle Yaroslav Drobny. Les billets pour les matchs vont de 65 à 2950 euros selon le tour et le lieu où une personne veut s'asseoir. Les demi-finales et les finales sont les matchs les plus chers. Elles peuvent coûter de 350 euros à 495 euros. Cependant, il existe des billets annuels qui coûtent plus de 1000 euros. Le prix en argent est beaucoup. Les gagnants reçoit 1 800 000 euros. Le champion de 2016 était l'ancien numéro 1 de Djokovic.